à vous, saint pontife, qui vous élevez avec tant de gloire, de cette terre d'Espagne si féconde, en vaillant chevalier de Marie. Allez prendre place auprès du berceau où cette mère incomparable veille avec amour sur l'enfant qui, étant à la fois son Dieu et son Fils, a consacré sa virginité loin de l'altérer. Recommandez-nous à sa tendresse. Rappelez-lui qu'elle est aussi notre mère. Priez-la d'entendre les hymnes que nous chantons à sa gloire et de faire agréer à son Emmanuel l'hommage de nos cœurs. Pour être accueillis par cette auguste souveraine, nous oserons, ô docteur de la virginité de Marie, emprunter votre organe et lui dire avec vous, « Je viens à vous maintenant, ô vous, seule Vierge Mère de Dieu, je me prosterne à vos pieds, seule coopératrice de l'incarnation de mon Dieu. Je m'humilie devant vous, seule Mère de mon Seigneur. Je vous supplie, unique servante de votre Fils, d'obtenir que mon péché soit effacé, d'ordonner que je sois purifié de l'iniquité de mes œuvres. Faites-moi aimer la gloire de votre virginité. Révélez-moi la douceur de votre Fils. Donnez-moi de parler selon la sincérité de la foi de votre Fils et de la défendre. Accordez-moi de m'attacher à Dieu et à vous, de servir votre Fils et vous, lui comme mon Créateur, vous comme la Mère de mon Créateur, lui comme le Seigneur des armées, vous comme la servante du Maître de toutes choses, lui comme un Dieu, vous comme la Mère d'un Dieu, lui comme mon Rédempteur, vous comme l'instrument de ma rédemption. S'il a été le prix de mon rachat, sa chair a été formée de votre chair. C'est de votre substance mortelle qu'il a pris le corps mortel par lequel il a effacé mes péchés. Ma nature qu'il a emportée au-dessus des anges, jusque dans la gloire du trône de son Père, il a daigné l'emprunter à votre substance. Donc, je suis votre esclave, car votre Fils est mon Seigneur. Vous êtes ma dame, car vous êtes la servante de mon Seigneur. Je suis l'esclave de la servante de mon Seigneur, car vous, qui êtes ma dame, vous êtes la mère de mon Seigneur. Faites, je vous en supplie, Vierge Sainte, que je possède Jésus par ce même esprit dont la vertu vous a fait enfanter Jésus. Que je connaisse Jésus par le même esprit qui vous a fait connaître et concevoir Jésus. Que je parle de Jésus par le même esprit dans lequel vous vous êtes dite la servante du Seigneur. Que j'aime Jésus par le même esprit dans lequel vous l'adorez comme votre Seigneur et le considérez amoureusement comme votre Fils. Que j'obéisse enfin à Jésus, aussi sincèrement que lui-même, étant Dieu, vous était soumis, et à Joseph. Amen.